Et yo tout le monde, comment ça va? On se retrouve ce soir pour le stream sur plein de jeux, dont Star Citizen, on va commencer par ça. Puisque aujourd'hui, c'est le live 24h en prévision de mon anniversaire qui a lieu dans quelques jours. Hein. Mais vu que bah, j'avais pas le faire ça. Non, c'est le 22 mon anniversaire, hein, pour ceux qui posent la question. Mais le problème c'est que le 22 c'est un mardi, donc faire un live 24h, mardi, mercredi, je sais qu'il y a plein de personnes qui seraient pas capables de suivre parce que bah, ils ont une vie en dehors d'Internet. Donc, pas possible de faire ça à ce moment-là. Je me suis dit, on va avancer un petit peu, sachant que la raison pour laquelle j'ai pas fait ça plutôt le week-end prochain, parce que je sais que c'est pas bien normalement de faire un truc anniversaire avant son anniversaire, mais bon. Le week-end prochain, j'ai déjà quelque chose de prévu, malheureusement. Donc, bah, c'était impossibilité pour moi. Le tas, c'est aujourd'hui. Et aujourd'hui, ça tombe bien parce que c'est le début de l'IAE avec la version 3.7.4 et qui est arrivée sur les serveurs live hier. Donc, plutôt cool. Même si, bon. Le patch note, il tient sur un post-it. Ils ont rajouté le corsaire et ils ont corrigé un crash serveur. Ça fait un petit moment que je répète que la 3.7.4, c'était juste un patch tampon pour l'intégration de l'IAE. Et donc, salutations à tout le monde, salutations Blazarkia, salutations The Salmon, salutations Flablin, salutations Artemis, salutations Xenon, salutations Florent, salutations Bastion. Installez-vous tranquillement ensemble jusqu'à ben, 17h demain. Ça fait 24 heures de stream, ouais. Alors pour ceux qui se posent la question, il y a un programme qui est, que j'ai mis en place. Hein. Vous le retrouvez en faisant point d'exclamation 24 heures dans le chat, pour ceux que ça intéresse. Mais grosso modo, donc là, de 17h à 23h, on va faire un stream classico-classique sur Star Citizen. On va aller zioter l'IAE, donc l'exposition organisée par Drake Interplanetary. Cette année, en tout cas, sponsorisé plutôt par Drake Interplanetary, pour être exact. Avec évidemment le corsaire, on va parler du cutter également, je vous rassure. Le starter, je mets des guillemets parce que pour moi, je vous expliquerai tout à l'heure de toute façon par rapport à ça. Le starter entre guillemets de chez Drake. On va tester les trucs, on va faire les trucs différents, divers et variés. On va blablater, on va papoter. Je vais aiguiller les nouveaux joueurs pour leur premier pas dans le jeu, parce que je rappelle qu'il y a en ce moment une période assez gratuite sur Star Citizen. Que ça tombe bien, puisque il y a un peu plus d'un mois, j'ai commencé une série qui s'appelle Les Star Quickizen, à savoir des vidéos de 1 minute qui, à chaque fois, s'attardent sur un sujet particulier. Il y a actuellement 21 épisodes, dont 21 épisodes de 1 minute, donc 21 minutes de contenu qui sont dédiés à des détails vraiment très précis dans le jeu et qui vont de la simple création du compte à, là dernièrement, les terminaux à SOP, comment les utiliser, en passant par la création enfin, le téléchargement du jeu, comment l'installer, etc. Bref, truc classique. Et salutations Maxime, et salutations Dr. Space, et salutations Poleto. À quand le jeu gratuit? À partir de 17h, donc là dans 3 minutes. Pas mal. Dr. Space qui dit, alors où est-ce qu'on pourra télécharger le jeu gratuitement et quand? Ce sera directement sur le site de CIG, ce sera à partir de 17h visiblement. Donc dans 3 minutes comme je le disais. Mais là pour l'instant, bah, c'est pas encore le cas. On va profiter du petit délai avant le début réel de l'IAE pour faire un petit débrief sur ce qui a été montré hier dans l'ISC. Pour les trucs qui disent, j'ai un gros problème, j'arrive même pas à me reconnecter à mon compte. Essaie de faire, j'ai oublié le mot de passe et tu vas recevoir un moyen de reset ton mot de passe sur ton adresse mail, celle que tu as utilisée pour créer ton compte, Pouletto. Donc ouais, comme je le disais donc, hier on a eu quelques informations, notamment par rapport. Alors là, je vais vous retrouver ça. Donc, l'ISC de hier était notamment sur bah, le nouveau venu de la part de Drake. Le cutter qui était un starter, je mettais des guillemets tout à l'heure hein, par rapport à ça. Mais littéralement, c'est un starter plus, on va dire ça comme ça. C'est de l'ordre du nomade. Alors, pas 90 Go Artemis. Pour Dr. Space, il fait environ 80 Go. 10 Go près, quoi. Donc ouais, le Drake Cutter, donc, c'est l'équivalent.
comme je le disais, d'un Nomad, mais version encore plus... enfin, pas cheap, mais enfin... c'est une alternative totale au Nomad. Le truc, c'est que le Cutter, visiblement, n'a que 4 SCU de fret disponibles. Ce qui, je trouve, est assez peu, au final. Quand tu vois que même l'Avenger Titan a une capacité de fret qui est plus, plus intéressante. Mais là où c'est intéressant, c'est que les personnes qui trouvaient que le point faible du Nomad, c'était sa soute qui était exposée. Là, en l'occurrence, la soute est à l'intérieur et il y a vraiment un espace de vie à la manière du Nomad. Donc c'est pour ça que je dis vraiment c'est un concurrent au Nomad, le Cutter. Alors c'est un vaisseau qui, à la manière du Herald, va aller assez vite en ligne droite, mais par contre qui aura un poids dégueulasse lorsque vous allez essayer de tourner. Et merci Almanam pour le follow, merci beaucoup. Et ça t'assemble les taux. Alors, c'est pas un petit bestiau non plus, hein. C'est comme je le disais, il a que 4 SCU, c'est vraiment pas fou. Après, de ce que CIG a expliqué, il y a assez de place dans la soute pour pouvoir faire entrer un véhicule, genre un ROC. En soi, oui. Voilà, là on le voit très bien là. Vous voyez, il y a 4 SCU, donc 2 boîtes ici, 2 boîtes ici, et on voit que ça prend toute la zone cargo en fait qui est disponible. Allez, 7 SCU, madame. Et le truc, c'est que ben, 4 SCU, c'est pas fou. C'est pas fou. Après, on reconnaît vraiment très très bien l'ambiance Drake, hein, la façon de construire le Drake en termes de vaisseau, les fonctionnalités, tout ça, et 7 SCU de Jimmy. Donc bon, en soi, why not, mais et donc oui, l'intérieur, la zone de vie qui est très spartiate, mais qui reste fonctionnelle avec toilette douche ici. Donc ça, visiblement, c'est un vaisseau qui sera intégré pour l'IAE. Je connais pas encore le prix, je me suis pas spoilé le prix. De toute façon, là, il devrait être révélé maintenant, puisque il est 17h passé, donc c'est-à-dire que l'IAE a commencé en théorie, donc on va pouvoir aller en jeu. Bref, donc c'est un bon petit vaisseau, comme je le disais, concurrent au Nomad. Il est relativement peu armé par contre. Résultat, c'est un bestiau qui sera plus axé sur le transport. 54€ IRL. Ouais, 54€ IRL en comptant la réduction. Et que ça inclut le téléchargement gratuit jusqu'au 8 décembre. Ok. Et il y a des réductions, comme je le disais, qui sont de l'ordre de 10% sur la plupart des vaisseaux. Ah putain, non, pas sur tous les vaisseaux, dis donc. Je pensais qu'il y aurait sur l'Aurora et le Mustang, mais en fait non, il n'y a que sur le C8 et sur le Cutter. Ça c'est moche ça, messieurs de chez CIG. C'est très très moche. Je pensais que l'Aurora MR et le Mustang Alpha allaient recevoir une réduction. Et là donc il est normalement en prix normal, il est à 72€, donc même prix que le C8. Et il contient donc l'AXA Star Citizen, ouais. Ouais. En termes de tarif, il est quand même plus avantageux que le Nomad. Quel est l'intérêt du starter C8 face à ce vaisseau du coup? Il est mieux armé le C8. Le C8 est mieux armé, il est plus petit. Donc plus manœuvrable et plus simple d'entretien. Et cette action or. Quand je pense que j'ai payé mon starter pack Avenger 68€, moi j'ai payé mon starter pack Avenger à 60€, incluant Star Citizen et Squadron 42, c'était pas le Titan, c'était le Stalker. La bonne époque de 2014, on s'en souvient. Bastion qui l'étonnait, je m'attendais à bien plus cher vu la taille comparativement au Nomad. Je m'attendais aussi à ce qu'il soit plus aux alentours des prix du Nomad, c'est-à-dire dans les 80 balles. Enfin 80 balles, non, 90 plutôt. Le Nomad est à combien? Il a 115 le Nomad. Il est vraiment cher le Nomad en fait. Comment je peux le voir gratuit? De quoi El Puleto? Et ça t'assure l'extrait. Alors juste 30 secondes, il y a Yume, mon chat, qui évidemment était calme pendant toute l'après-midi, installé sur le fauteuil, qui maintenant va sortir. Donc 30 secondes, j'arrive. Ah, le portier pour le chat. 115 balles au Nomad, oui, 115 balles avec l'accès au jeu. Voilà. Le Pluto qui dit, j'essaie d'installer le jeu, comment je peux l'installer? Ah bon, ça tombe bien que tu poses la question, je vais
je vais diffuser une petite vidéo, un petit tutoriel de 1 minute qui explique comment installer le jeu. Ça, tu vas voir, c'est Star Quickizen, le numéro 3, qui est juste là. Hop. On va couper la musique. Et je vous laisse avec la vidéo. Nouveau Star Quickizen, la série pour commencer rapidement sur Star Citizen, l'esprit léger. Et on va s'intéresser à l'installation du jeu. Pour ce faire, il suffit de cliquer sur le bouton Play Now sur le site de CIG. Descendez en bas de la page pour vérifier que vous êtes bien connecté à votre compte et vous possédez un pledge. De là, cliquez sur Download Installer. Ce petit programme va installer le launcher de Star Citizen qui servira également pour Squadron 42, la campagne solo, lorsque cette dernière sera sortie. Une fois le launcher installé, entrez vos identifiants, allez sur l'onglet Settings et sélectionnez l'espace de stockage pour installer Star Citizen. C'est d'ailleurs depuis cet onglet que le bouton de vérification de fichiers est présent, ce qui peut être utile en cas de problème. Il est primordial que vous installiez le jeu sur SSD sous peine d'avoir de nombreux freezes en jeu. Une fois l'adresse d'installation choisie, cliquez sur Install. Durant l'installation, il se peut qu'elle s'interrompe pour X ou Y raison. Pas d'inquiétude, recliquez simplement sur le bouton Install. Une fois l'installation terminée, cliquez sur Launch Game pour lancer le jeu. Et on a fait le tour, à très vite pour un nouveau Star Quickizen. Voilà. C'est un peu plus clair. Pouletto qui dit, ouais mais quand je clique sur Play Now, ça me met erreur l'internet. C'est problématique. Est-ce que tu es connecté au moins sur le site de CIG? C'est la question. C'est la base. Oui. Ah oui, en effet, serveur... actuellement il y a une erreur serveur, donc c'est-à-dire que les serveurs sont pris d'assaut. Les serveurs sont pris d'assaut. C'est normal. À chaque free fly, c'est toujours comme ça. Hello, c'est un Yelbrech. Moi, je fais le... Yelbrech qui dit bien ou bien. Bah écoute, moi, ça va tranquillement. Moi, je fais le deuil de mon Aurora. Pourquoi tu fais le deuil de ton Aurora? L'Aurora est quand même beaucoup plus intéressant, je trouve, sur beaucoup d'aspects que le cutter. On soit clair. Bref, donc ceci étant dit, on va enchaîner. On va peut-être se connecter sur le jeu. Mais avant cela, je rappelle qu'à l'occasion du live 24h, j'ai ceci à vous faire gagner. Donc, un Corsair, avec l'AXA Star Citizen et l'LTI. Avec la réservation du nom du Corsair. C'est-à-dire, vous pouvez le nommer. C'est pas rien. Mais je ferai pas le giveaway tout de suite. Je ne ferai pas le giveaway de suite. Parce que bah, c'est durant le live 24h, à un moment ou à un autre, il y aura le giveaway. Donc voilà, ce sera pas forcément sur le Star Citizen d'ailleurs au passage, hein, ce sera dans la soirée, enfin dans la soirée, entre maintenant et demain 17h, le giveaway va tomber. Je rappelle qu'il faudra être présent pour participer au giveaway. Et pour pouvoir avoir une chance de récupérer ce magnifique vaisseau qui est le Corsair. Alors Yelbrecht, très sincèrement, déjà l'Aurora de base est mieux armé. Il est moins lourd, il est plus petit, plus simple d'entretien. Et il y a à peu près la même capacité de fret, si j'ai pas de bêtises, puisque c'est 4 SCU pour le Corsair. Et cette action Fatality, le jeu est déjà gratuit. Moi, il y a une période assez gratuite, là, jusqu'au premier. Sauf que là, actuellement, les serveurs sont pris d'assaut. Résultat, c'est compliqué de pouvoir télécharger le jeu. Et le Washington, t'as déjà piloté un Aurora en atmosphère? T'as déjà piloté un cutter en atmosphère? Je pose la question, Yelwash. Artemis qui dit le giveaway à un moment bizarrement les 10 minutes où je serai pas là. Non, quand même. Et ça a été sans matou. Hop, on va brancher le joystick, brancher la manette de gaz et se lancer sur le jeu. Alors j'ai pris de l'avance. Et ça a été sans morfate. J'ai pris de l'avance, résultat, hier je me suis un peu baladé sur Star Citizen, chose que je fais quasiment jamais. Hors stream, donc le bruit USB vient de chez moi encore une fois. Et je me suis arrêté en orbite autour de Microtech dans mon Avenger et je me suis déconnecté dans la couchette. Donc là, quand je vais me connecter, ben, je serai dans la couchette de mon Avenger aux alentours de Microtech. Résultat, ça va être plutôt pas mal pour pouvoir
aller sur le sur l'exposition. Ah, il y a la vie de l'Iaïon en attendant. Bon, on va regarder ça alors. Un aurore à l'atmosphère est sur un rail à ce moment-là, son armement, on s'en fout. T'arrives pas à nier une cible. Et je rappelle, Yelwesh, que si Edgy veut retravailler le modèle de vol atmosphérique. Enfin, c'est quelque chose que je répète très régulièrement. Ne vous fiez pas aux statistiques des vaisseaux, en fait. Parce que les statistiques des vaisseaux évoluent avec le temps. Je rappelle qu'on est en alpha. C'est ici. Dire, ouais, mais aujourd'hui, ce vaisseau, c'est de la merde. C'est vraiment, genre, le pire truc à faire, en fait. Parce que ça se trouve, demain, ce vaisseau-là sera un tueur. Allez, ça teste sur Moscope. Alors l'extrait, en fait, le cutter, faut voir un petit peu comme un concurrent du nomade. C'est littéralement un concurrent du nomade. Que t'as 4 SCU, donc c'est pas énorme, moins que le nomade bien entendu. Mais un intérieur complet, partiel, la Drake bien entendu, mais complet. Donc ma foi, pourquoi pas. On va se jeter la vidéo de l'IAE, tiens, en attendant. Qui est sortie à l'instant, en effet. Hop. On va se mettre en plein écran. Liberty, ingenuity, equality. These ideals connect each and every one of us across this vast empire of stars. As such, I want you all to meet the 2952 Cutter from Drake Interplanetary. Oh yeah. This ship embodies those ideals that we are truly democratizing space flight. Who needs to hire talent when the aerospace CEOs are dying to get on camera? Hey, Jimmy? It's all about the hard-working people of the UEE. That's why we're excited to sponsor the Intergalactic Aerospace Expo 2952. See you in STEM. In the unholy hell? They think I'm dead? Unbelievable! Bob! I cannot believe that they moved on without me. After everything I did for them, would a call have killed them? Oh, hey, Jax, do you want to come back, host the show? I'm sorry, Jax can't take your call because he's dead. Bob! Ah, Bob, now, I need to take the Corsair. Good one. Yeah, I came out here to get inspired, and I've just been hanging around, tending to my garden, and pillaging and plundering with you lot. Are you talking to me? You don't understand, Bob. My bosses have killed me off screen. Yeah, I've got to get back to Stanton. Is this ship flight ready? Whoa, 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 Jax! But you can't have my ship. Oh, come on, Bob, you owe me. You stole my Odyssey right when I got to Pyro. But you stole it back. And crashed it. And crashed it. You, well, fair point. Did the boys already chop that new Drake cutter? No, I told you I'm keeping that one. I kind of like it. Handles nice. Bob, please. No. But it's just sitting there. You know what, Jax? Fine. If it'll keep you out of trouble for a while, you can borrow the cutter. Thank you, Bob. I said borrow. Thanks, Bob. Jax. Bye. Don't fly angry. Right. Are we on? Ah, okay, right. Jax McCleary here. Obviously, I'm not dead. Just thought you should know. Looks like we're going back to Stanton. Here we go! Ah, throttle's over here. Interesting. That does make a little bit more sense. Okay. Here we go.
Allez, salutations Cox. Alors bon, c'est mignon, le retour de Jax, tout ça. Moi, personnellement, il y a un truc qui me titille un tout petit peu beaucoup. Je vous remets le passage. Avec Bob, ça. C'est-à-dire qu'ils sont en train de bosser sur la texture des potentiels tatous. Potentiel tatouage pour les personnages. Ce serait bien ça, dis donc. Ce serait bien depuis le temps que c'est demandé par la communauté. Pour personnaliser les tatouages du personnage. Ce serait cool. Bon, alors le retour de Jax, c'était quasi sûr qu'il était pas mort, hein, on le savait très bien. Mais là on a la confirmation, il est bel et bien parti en retraite sur Pyro. À voir, j'ai eu 1h16 en me connectant à Star Citizen, je pense que là le jeu est pris d'assaut, quelque chose de violent. Au passage, merci beaucoup Magunsolo pour le rabonnement, 30 mois complet, 30 mois pour les 24 heures. Merci beaucoup Magunsolo. Et salutations Arfa. Et donc salutations Infox également. Donc ouais, prêt pour les 24 heures, ouais. Je suis chaud. Plus chaud. Et honnêtement, la partie sur Star Citizen, c'est même pas ça qui va être le plus passionnant, je pense. Qu'on soit clair. Je spoil. Est-ce qu'on va réussir à se connecter ou pas? Parce que là, le jeu, j'ai l'impression qu'il est dans le mal. Hein. Les serveurs sont vraiment dans le mal. Voilà, attends, on va mettre un petit peu de musique, peut-être. Non, c'est pas ça que je voulais faire. Allez. Je peux le faire. J'aurais dû me connecter avant. Hein. Voltax, j'ai un petit souci. Je lance mon Star Citizen et le jeu est directement en zoomé. Qu'est-ce que tu entends par le jeu est directement en zoomé? C'est-à-dire que ce truc-là, par exemple, c'est directement en plein écran, mais ça, c'est normal. Après, c'est le début du stream 24h, du coup, ouais, complètement. On vient de commencer, ça fait 25 minutes qu'on a commencé, on a fait un petit peu de briefing par rapport à Star Citizen, l'IAE, etc, etc. Et il y a 16008, ouais, donc j'ai l'impression qu'il y a un problème de données, enfin de serveur de CIG. Alors... Arfa qui dit, tu m'en rends pas si je reste pas les 24 heures ? J'ai un élément qui va peut-être te faire changer la vie pour le coup, Arfa. Je dis ça, je dis rien. Voilà. Le jeu est zoomé, je ne vois pas les bords. Tout est en gros. Dans ce cas, c'est la résolution, Voltex. C'est un problème de résolution que tu as. Vert. Voilà, l'état des serveurs. C'est ça que je voulais voir. Opérationnel, tout est opérationnel. Pourquoi est-ce que j'arrive pas à me connecter? C'est quoi ce bordel? On va lancer encore une fois, hein, c'est pas grave. Hop. Est-ce que je vais devoir faire un caractère reset? The question. Je vais encore me choper une erreur 16004. Grande question. Évidemment, les serveurs sont un peu pris d'assaut, ce qui est normal. Donc bon. Les serveurs du jeu vont bien, c'est la connexion qui foire, d'accord. Donc c'est juste la connexion au jeu qui déconne. Ok, donc c'est-à-dire que faire un reset, ça ne changera absolument rien. Ouais, la connexion a du mal, là. Parce que je branche deux potes sur Star Citizen ce soir. Ça va être pas mal. Mais là, faut déjà réussir à se connecter. Les serveurs pris d'assaut, ça c'est... c'est un classique de ce genre d'event, on a l'habitude. Aux IAE, c'est pareil. Tous les ennemis que tu sais, pareil, tout ça. C'est classique. C'est classique. Là, je pense que les serveurs de CID sont en train de cramer. Ça va que c'est pas Elon Musk qui est aux commandes de Amazon, hein, parce que quand on voit le tas de Twitter en ce moment, comment il y a le RIP Twitter qui est en top tendance. Bref.
Valtex dit problème de résolution qui vient d'où ? De Nvidia ou directement dans les réglages du jeu ? Les réglages du jeu, je serais tenté de dire. De base, je pense que le jeu est configuré pour être en 1080p, donc tu as moyen juste de rentrer, de choisir la résolution, en fait. Ouais. Eh ben, ça ne veut pas. Ça ne veut pas, ça ne veut pas. On va insister, vous inquiétez pas. Il y a le Q&A du cutter qui a été posté. Faut juste attendre que les gens arrêtent de spammer le launcher. Ouais, mais bon, j'aimerais bien pouvoir me connecter quand même. Ah, ça tombe jamais. Ça va être pas mal. Donc ouais, bon alors. Petit topo par rapport au cutter. Hein. Pour ceux qui n'étaient pas là tout à l'heure, comme je le disais, c'est un concurrent direct au Nomad de chez Consolidated Outland. Mais moins cher, hein, il fait le prix d'un C8. Donc bon, ça peut être intéressant. Bon bref. Vu que mon jeu est zoomé, bah, je n'ai pas accès à l'onglet réglage. Ah, fais Alt Entrée, Voltex. Alt plus Entrée. Alta, tu vas passer en fenêtré. Ou alors de fenêtré à plein écran. Alt Entrée, je rappelle que c'est la commande qui permet de passer de fenêtré à plein écran. Et ça, pas forcément que pour Star Citizen, c'est pour tous les programmes, dans l'ensemble. Donc ouais, comme je disais, le cutter, concurrent au Nomad, qui coûte moins cher que le Nomad, même carrément moins cher que le Nomad, on est quand même 40€ de différence entre les deux. Là, en plus, avec la réduction, il est vachement plus abordable. Donc c'est plutôt sympa, mais je rappelle que ça reste un petit vaisseau de transport, hein. Vraiment, j'ai... Le jeu va vraiment pas, hein. J'aurais dû me connecter bien avant. J'ai pas été très fin, là, par rapport à ça. Donc, en plus de ça, il y a le Corsair, qu'on a vu lors de la vidéo de présentation de l'IAE. Qui était plutôt cool. Le Corsair, on l'a testé, c'était mercredi, si j'ai pas de bêtises. Sur le PTU, alors... C'est un bon petit bestiau le Corsair, hein, mais je rappelle que c'est un vaisseau qui est un concurrent direct aux Constellations. Ce qui veut dire qu'il va faire plus ou moins la même chose que le Constellation, sauf qu'il est un peu mieux armé. Donc, excite les personnes qui s'imaginaient pouvoir faire du combat en mode « je suis un pirate, je suis Albator aux commandes de l'Arcadia et je vais pouvoir ruiner tout le monde ». Non, le Corsair sera un vaisseau qui sera très bien pour de l'appui feu dans une flotte, mais ce sera pas un vaisseau de combat, à proprement parler. Au même titre que le Constellation est utilisé dans l'UE pour comme étant un vaisseau d'appui feu. C'est-à-dire que c'est un vaisseau qui va aider les alliés, et c'est pas un vaisseau qui sera en première ligne après on parler. Alors le 400i, pour le coup, Arfa, c'est encore autre chose. Parce que le 400i, il est pas du tout fait, mais genre vraiment pas du tout fait pour le combat. Il a quasiment aucune capacité offensive. C'est vraiment le vaisseau civil par excellence, le 400i, pour moi. Je vais regarder ça mène. C'est quoi la vidéo que tu m'as postée? Au niveau de CAG. Hein.
C'est chelou comme vidéo, hein, CIG. Non, pas, c'est une vidéo officielle de CIG, ça. Hein. T'es en mode... 2 minutes 30, il s'est rien passé. Excusez-moi. Ouais, ça va être très fan mail en fait. C'est très chelou comme comme vidéo. C'est juste pour dire ouais, le corsaire, ça y est, il vole quoi. Pas fou. Après bon, l'avantage c'est que ça montre des environnements de pyro, donc. On dirait qu'ils avaient pas de trailer et au dernier moment ils ont filmé les trucs. Ouais, c'est ça. Après, c'est un teaser aussi pour par rapport à pyro. Hein. Le corsaire sera un vaisseau qui sera techniquement. Tout indiqué pour Pyro. Ouais, sur l'exploration, donc avec une bonne autonomie, relativement bien armé, capable de se défendre. Donc oui, un vaisseau pour Pyro, ça convient. Bon, il se passe autre chose là ? Non, c'est juste des jolies images. Ok, c'est de jolies images pour dire, oh là là, Pyro, le corsaire, tout ça. Ok, très bien. CIG, vous faites de la merde là, hein, les gars. C'est tout ce que j'ai à dire. Alors, on va relancer le jeu pour la 18ème fois, en espérant que ça fonctionne. Comment dire, ils ont fait des vidéos de meilleure qualité que ça ? Oui, clairement. Bah là, il n'y a même pas de blabla, quoi que ce soit, c'est... Voilà quoi, c'est... La question que je me pose, c'est pourquoi en fait cette vidéo. Et donc c'était son Pyrrhus au passage. Et c'était son Stalix. Est-ce que je vais réussir à me connecter ou pas? That is a question. Alors, je regarde ce que c'est que l'erreur 16004. Ça se trouve, c'est des extraits sur Squadron 42. Non, non, leur alerte, non. Et citation au bas. Je vais citer un truc. Star Citizen. Alors en attendant. Un peu de musique. Hein. Star Citizen Error 16004. Y'a pas de 16004 ? C'est quoi ce bordel ? C'est bien l'erreur que je chope, non ? Ouais, d'accord. Ça marche pas, disons ça, tout en tapant son clavier. Non, je suis pas du genre à taper mon clavier pour si peu. Je suis pas du genre à taper mon clavier dans tous les cas. Ouais, puis oui, je me suis bien reposé, ouais, je fais une grosse nuit, tranquillement. Ah, c'est l'erreur 16008. Bon, ouais, voilà, donc c'est-à-dire que c'est... Oui, c'est 16008, c'est pas 16004, autant pour moi. Ouais, donc c'est... En effet, les joueurs qui sont... qui se connectent tous en masse, c'est ça. R16008. Donc c'est ça. Donc en fait, Voltex, c'est la raison pour laquelle tu dis oui machin, j'arrive pas à accéder aux paramètres du jeu, c'est parce qu'en fait t'es pas en jeu. C'est pour ça. C'est que c'était pour pas grand chose. Là actuellement, les serveurs sont surchargés. Le serveur de log sont surchargés. De toute façon, comme je disais, Yelbrecht, ça c'est quelque chose qui est commun en fait sur la plupart des events. Hein. C'est le fait que les serveurs soient pris d'assaut comme ça, c'est prévu. J'ai pas assuré, j'aurais dû me connecter plus tôt, mais bon, je faisais de la vaisselle donc j'ai vu l'heure, je fais bon, bah c'est pas grave. Espérons que l'attente ne soit pas longue. Ça finira bien par se distiller. Et cette assaut plus fine. Peut-être les gens sont en train de se ruer vers l'IAE. Et ils vont tester le corsaire, il y aura des corsaires de partout.
Ils vont s'apercevoir que c'est de la merde en combat. Et ils vont le ranger au placard. Une fois que c'est t'inquiète pas, on a 24 heures. Bah, enfin bon, je peux passer sur autre chose en même temps à côté, ce serait cool quand même. Ah non, ça veut toujours pas. D'avoir des logins qui sont dans le mal. On est d'accord que le PTU a été fermé entre temps. Bougez pas. Si ça se trouve, on peut se connecter sur le PTU. Hein. Settings. Ça va, chaton? Fatigué. T'es fatigué. Donc oui, le PTU a été fermé, malheureusement. Excusez-moi, il y a eu une... Une madame d'Aircomay 22 qui est passée en rentrant du boulot et qui est fatiguée cette semaine. On relance. Allez, au revoir. Et merci Tiled pour le rabattement. 35 mois complet, merci beaucoup. Bon courage pour les 24 heures. Là déjà, faut réussir à se connecter au jeu. Ce qui n'est pas dit. C'est pas une mince affaire. Alors c'est pas le dossier user qui pose problème là pour le coup, enfin. Même c'est toujours bien de retirer le dossier user de temps en temps, mais là en l'occurrence c'est pas le dossier user qui pose problème. Ce qui pose problème c'est les serveurs de login sont surchargés. Et citation chinois. Ouais, le jeu arrive même pas à se connecter, c'est-à-dire que là j'ai même pas l'écran de chargement du jeu, j'ai directement l'écran noir quoi. Et cet assassin d'Aril. Il s'est retrouvé devant un écran noir, oui mais c'est pareil. Et moi c'est pareil, c'est écran noir et puis ensuite, erreur 16008. C'est les serveurs qui sont pris d'assaut. Tout le monde essaie de se connecter, c'est la folie, c'est la dingue. C'était prévisible, malheureusement. Résultat, on a vu qu'il y avait une réduction. Alors là où, comme je le disais, hein, par rapport à l'IAU, il y a une réduction par rapport à des vaisseaux, notamment les starters. Normalement, il devait y avoir la réduction. Enfin, les années précédentes, il y avait des réductions par rapport aux Mustang et Aurora. Le problème, c'est que cette année, non, ce ne sont pas les vaisseaux qui sont soumis à réduction, ce que je trouve qui est dommage. Aujourd'hui, ce sont les vaisseaux donc C8X et Cutter qui sont. Qui sont soumis à des réductions de 10%. Ça, j'avais annoncé hein, pas plus de 10% de réduction. Là, on a, je crois qu'on a un peu plus, remarque, vous allez me dire. Pledge Store, on a 20% de réduction, quelque chose comme ça. 25% de réduction pour le Cutter et 10% de réduction pour le C8. Donc on est vraiment, vraiment sur les... les éléments... enfin, sur les réductions qui est annoncées. Ah t'as vu ce qu'il dit, je peux même pas me connecter à mon compte. Ouais non mais les serveurs de login sont down. Allez ça t'as son ubiquité. Merci pour le bon courage parce que là, ça s'annonce être compliqué. Ça s'annonce être très compliqué. En soit clair. Ça va être rock'n'roll. Ah ça fait quand même une demi-heure que ça a commencé mais bon. C'est parti sur un live 24 heures, compliqué, oui, pour accéder, mais bon, la patience est une vertu, complètement. C'est pour ça, là, on n'est pas pressé, on est à la cool. 250 balles de Corsair, il a pas tant pris que ça en termes de tarifs comparé au, à l'époque où il était au niveau du concept. Xenon qui dit sur le jeu zone, pour ça, faut déjà que je puisse accéder au jeu, en fait, Xenon. Je peux même pas me connecter au jeu parce que le serveur de login, de connexion, est pris d'assaut. Vatex, s'il jouait avant 18h, ce serait bien. Non. Pour le coup, il y a peu de chance. Cutter seul, 45 balles. Honnêtement, franchement, vu la taille du bousin et les fonctionnalités du bousin, 45 balles pour le cutter en solo, il est pas si mal, hein. Il est plutôt bien. Là pour le coup, le C8 perd vraiment beaucoup en intérêt.
Le C8 était intéressant, mais... Et déjà qu'il était pas... Compte tenu de son prix, il était pas si intéressant quand on le comparait à un Mustang ou un Aurora. Là, tu mets le cutter en face... Voilà. Ah, t'inquiète, Simon, ça va aller, on va... Tranquille. Pas de pression, quoi que ce soit. On n'est pas pressé. Ah, t'as vu ce qu'il dit Elden Ring, niveau maximum, mais t'es fou? Non. Attends, après, Artemis, très sincèrement, je suis pas du genre à dire « Oh là là, moi je vais faire du Elden Ring niveau max, enfin, difficulté maximum, avec un perso qui est limité niveau 150. » Parce que je suis pas là pour faire du challenge pur et dur. Je suis là pour faire un petit peu de spectacle, certes, mais pas du challenge pur et dur. Mon personnage est niveau 400. Ça va. NG plus 7 pour Elden Ring, ça passe crème. Ça va passer crème. On a déjà les stats et possibilités d'amélioration du cutter sur Hercule. Ouais, parce qu'en fait, c'est du data mining. Donc ça, c'est quelque chose qui est... On peut jeter un œil hein, par rapport à ça. Le temps que je me retrouve avec une autre erreur. 16008. Nous disions Drake. C'était eu. Pas mieux. Cutter. Le cutter, donc c'est un bestiau qui a. Il est assez fragile, 18000 points de vie. Hein, c'est plus ou moins le même nombre de points de vie qu'on a sur le. L'Avenger. L'Avenger est à 19000 points de vie, je rappelle, hein, de mémoire. C'est pas énorme. 160 mètres par seconde en vitesse SM, 1050 en vitesse d'Afterburner. C'est pas énorme. Après, ça reste un vaisseau de transport, donc c'est pas déconnant non plus. On a deux lanceurs de missiles taille 2, donc 4 missiles taille 1 ou 2 missiles taille 2. Un seul générateur de bouclier taille 1, c'est très léger. Un seul refroidisseur, putain la vache, faudra vraiment pas y aller à fond quoi. Maximum deux armes taille 2 fixe. Ouais. C'est un vaisseau utilitaire plus qu'autre chose. Hein. C'est pas non plus un monstre, hein, qu'on soit clair. Pour moi, c'est un concurrent à l'Avenger. Non. C'est vraiment un concurrent au Nomade. L'Avenger a pas tout ce qui est espace de vie. C'est du Drake, quoi. Même Drake, quand tu regardes Artemis, quand tu regardes le Buccaneer ou le Cutlass, ils sont relativement... bien protégés. Le Buccaneer, pas vraiment au niveau de la structure, bien entendu, mais au niveau des boucliers, t'as deux générateurs de boucliers taille 1. Et moi, je dis pour moi, c'est un starter concurrent à l'Aurora ou au Mustang. Non. C'est pas un concurrent au Nomade ou au Mustang. Il est beaucoup trop gros. C'est-à-dire que ni le Mustang ni l'Aurora n'a un espace de vie intérieur, Yalbrecht. Donc ça peut pas être un concurrent direct au Mustang ou à l'Aurora. Nomade, c'est un peu trop gros pour être considéré comme étant un concurrent au cutter. Ah bah, je suis désolé, mais regarde les dimensions du bestiau. Hein. Le cutter, 16 mètres x 20 x 6 mètres. C'est vrai qu'il est pas si gros que ça au final. Donc 16 x 20. Le nomade. 27 x 19, on n'est pas si loin. Ok, le nomade est plus large, mais à part ça, c'est la même longueur. C'est la même longueur. Évidemment. Ah la putain, la vache. Nomade a 24 SCU de cargo et tu considères comme un concurrent au cutter avec 4 SCU. C'est pour ça que je trouve que les 4 SCU du cutter sont pas bons. Sont pas suffisants. Mais je rappelle que le Nomade comme le cutter sont capables de transporter des véhicules. Chose que les autres vaisseaux ne sont pas capables de faire. L'Avenger par exemple n'est pas capable de transporter un Rock, ni le 300i, ni l'Aurora, ni le Mustang. Votlex qui dit refaire Elden Ring à 11h avec tous les boss principaux, ça me paraît complexe quand même, non? Non.
Très sincèrement, non. Alors oui, est-il à 4S et 8 pour le cutter. C'est tout petit. En fait, le truc, c'est que par rapport au 4SCU, c'est à... Franchement, t'as littéralement les trois quarts de la soute qui sont pas utilisés. C'est-à-dire que t'as tout un passage qui est pas utilisé pour pouvoir te laisser rentrer dans le vaisseau. Et toute la partie arrière de la soute qui est pas utilisée pour laisser accès à la rampe. Et merci Royeb pour le follow, merci beaucoup. Non, Voltak, je vais pas le faire en samouraï, non. Parce que je suis pas un weeb. Et cet incendiel. Quel jour pourrait assis à l'IAE, s'il vous plaît. Je fais pas l'exclamation IAE, Diel. Je vais avoir le programme. Là, je suis en train d'essayer d'accéder au jeu, donc je peux pas faire de alt-tab. Bastien Kini, je pense que la taille de la soute. Je pense que la taille de la soute par rapport au SCU doit s'expliquer par le fait que le vaisseau était conçu avec la circulation des IA en tête, contrairement à l'Avenger, au Freelancer, etc. Ils sont trop étroits. Potentiellement aussi, ouais. C'est vrai qu'il faut garder en tête que ça reste un vaisseau qui est au standard Gold, donc au dernier standard. Volta, c'est. Alors, Diet, tu avais déjà fait comme il faut le point d'exclamation IAE. C'est pour ça que le bot te fournit deux fois le même message. Mais pourquoi les trois quarts sont pas utilisés? Parce que tu as un passage qui est libéré pour pouvoir passer justement dans la soute, parce que sinon, si tu mets la soute totalement pleine, tu peux plus avancer en fait dans la soute. Et surtout, tu as un accès aux composants. Aurel qui dit, salut, tu vas faire l'Enring en astro? Non, parce que j'ai des couilles. Jouer magie, astro, etc. C'est pour les personnes qui savent pas jouer. Bon, les trucs qui disent, tu crois pas que les newbies qui vont se connecter ce soir risquent de trouver le jeu complexe et super vaste. Il y a trop de, y a pas trop de tutos pour commencer. C'est pour ça que j'ai fait, j'ai commencé une série qui s'appelle Star Quickie Z. Bon, les taux. Mais oui, clairement, toute première connexion pour un nouveau joueur, c'est une angoisse complète, hein, Star Citizen. On soit clair. Non, enfin, c'est... Quand tu vois, ne serait-ce que le fait... Le truc tout con, Y, pour sortir du lit de ta couchette directement quand t'apparais dans l'appartement. Rien que ça. Le fait de galoper sur F pour pouvoir passer en mode interaction. Ça, c'est des détails à la con qui sont pas forcément très intuitifs. Ouais, on a le Q&A du cutter, ouais. Alors, Yelbrecht, tu te bases uniquement sur les prix avec de l'argent réel pour ce qui est des appareils. Très sincèrement, je rappelle que le prix en argent réel, c'est quelque chose qui est totalement arbitraire. Et très sincèrement, faut pas s'y fier. Il y a qu'à voir, le 100i, c'est une sombre merde. Pourtant, il coûte une fois et demi le prix d'un Aurora, alors qu'il a les mêmes fonctionnalités. Donc oui, le 100i est un concurrent au Mustang et à l'Aurora, mais c'est de la merde, à cause de son prix. Le cutter, c'est une alternative au Nomad, je dis bien c'est une alternative au Nomad, qui avec de l'argent coûte moins cher, et donc en effet, pour l'instant, c'est plus intéressant le cutter que le Nomad, dans beaucoup d'aspects. Le voyage qu'il soit et ça montre que CLG met le cutter au niveau des Aurora et Mustang, pas du Nomad. En termes de fonctionnalité, non. Ça fonctionne pas. Enfin, le truc, c'est la raison pour laquelle tout le monde me dit, Derko, pourquoi tu conseilles jamais le sabre en dogfight actuellement? Je réponds toujours la même chose.
la taille. Et ça, c'est important, ça, Gelbrecht. Rester dans le cutter, pas mal. Ouais. Bah, ça rentre large. Et c'est à son phase. Toi qui es un fan d'Avenger, tu penses quoi du Warlock? Et tu crois qu'il sera en vente pendant l'IEU? Oui, tous les vaisseaux seront en vente pendant l'IEU. Le Warlock, c'est un vaisseau qui a une utilisation qui est très 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 spécifique. Qui conviendra très très bien pour les flottes d'interception. Il y a qu'à voir, je prends toujours cet exemple aussi parce que je trouve que c'est un exemple qui est assez parlant. La Mongol Squad, la team de Baron of Murk, qui font donc de la piraterie avec interception et rançonnage. Dans l'eau, t'as toujours au moins une personne qui est avec un Warlock. Même généralement, ils ont 3 voire 4 Warlocks présents pour pouvoir intercepter la cible et faire des bursts avec des IUM. L'avantage du Warlock, c'est qu'à la manière, à l'instar du Stalker, il va à 1300 mètres par seconde. Ce qui veut dire que c'est un intercepteur qui est quasi hors pair. T'as un vaisseau qui va peut-être plus vite que lui, c'est le Buccaneer. Et le Buccaneer, c'est du hit and run, et t'as pas vraiment moyen de faire un burst avec l'IUM. Donc c'est une utilisation qui est ultra spécifique. Mais c'est une utilisation qui est très efficace. En termes de dogfight pur et dur, par contre, si tu veux te reposer sur le Warlock, c'est niet. Parce que le Warlock, comme n'importe quel autre Avenger, n'est pas un dogfighter. Tout comme le Buccaneer n'est pas un dogfighter. Zelonki, traduction du jeu arrive quand? Quand ce sera prêt. Eh, ça veut vraiment pas, hein. Donc bref, voilà, tout ça pour dire que oui, le Warlock c'est un bon bestiau, mais c'est pas un bestiau que tu vas pouvoir utiliser seul. L'utilisation est trop spécifique. C'est un vaisseau qui sera bien dans une flotte, et pour une utilisation particulière de la flotte. Ouais, comme dit Pluffy pour les traductions, on sait que CLG bosse dessus, ils ont fait un ISC dessus il y a pas très longtemps, il y a quelques semaines, voire un peu plus de mois. Quelques mois, plutôt. Pour expliquer qu'ils étaient en train de bosser sur les traductions, mais que c'est un process qui prend du temps. De façon générale, dans le développement d'un jeu, hein, la traduction c'est quelque chose qui arrive assez tardivement. Donc... Picarni qui, par rapport à que j'ai foutu à la série 100, il part brûler en 125. Le 125 en soi est un bon vaisseau, mais pas pour le prix auquel il est vendu. C'est, enfin, en parlant d'achat pur et dur de vaisseaux avec de l'argent réel, je ne peux décemment pas conseiller la série 100. C'est pas possible. Pour ce que c'est, ça coûte trop cher. Et si vous êtes prêt à mettre autant d'argent dans le projet pour acheter un 100, que ce soit un 100i, un 135c ou un 125a, mettez juste un brin plus et passez sur la série 300. Vous serez beaucoup plus confortablement équipé. C'est pour ça que je trouve que la série 100, c'est un échec de la part de CIG. En termes de starter, concurrent à l'Aurora et au Mustang. Parce que en termes de fonctionnalité, oui, c'est un concurrent à l'Aurora au Mustang. En termes de prix, non. Fesk dit, ok, je pensais que comme tu pouvais immobiliser, tu pouvais en profiter pour fight même en solo. Alors, oui, mais non. En fait, je rappelle que les IEM, déjà, primo, elles ont une portée minimale, et portée maximale sur tout ça, en fait. Relativement proche, pour pouvoir toucher avec l'IEM. Et surtout, l'IUM va faire une certaine quantité de dégâts au vaisseau, que ce soit sur les boucliers ou directement sur les composants. On va faire un petit tour sur le site Hercule, typiquement. Nous disions l'Avenger Warlock qui est ici.
Alors regardez donc le générateur IEM qui est juste là. Il fait 2750 de dégâts, ce qui est loin d'être dégueulasse. Mais quand tu regardes, un vaisseau comme l'Avenger de série a 3000 points de vie de bouclier. Et encore, si jamais tu lui mets des boucliers un peu plus efficaces, tu montes à 3450 de bouclier. En plus de ça, en imaginant que tu prennes donc un moteur de saut JS300, c'est-à-dire que tu fais tomber les boucliers avec des armes énergétiques ou des armes à distorsion ou autres. Derrière, il faut encore que tu réussisses à mettre 4000 de dégâts de distorsion, donc IEM et armes distorsion, sur le générateur d'énergie. Évidemment, à ce moment-là, c'est à ce moment-là que personne ne fait chier le monde par rapport à ça, par rapport à l'affichage. Faut que tu fasses encore 4080 de dégâts de distorsion sur le générateur d'énergie pour que le générateur d'énergie s'éteigne. Si le mec est en militaire, ce qui est généralement le cas quand tu vas partir faire du dogfight. Donc, avec une IEM qui fait 2700 de dégâts, faut que tu claques deux IEM alors que le mec n'a plus de bouclier pour pouvoir faire tomber son générateur d'énergie. Et même malgré ça, le mec récupère son générateur d'énergie au bout de 12 secondes. Donc bon, non, faire du fight en solo avec un Warlock, c'est pas la bonne idée. Beaucoup de personnes s'imaginent qu'un vaisseau sera capable de tout faire, c'est pas le cas. Aucun vaisseau n'est capable de tout faire. Ou alors s'il le fait, il le fera, mais sans briller dans aucun domaine. C'est pour ça que j'arrête pas de dire que le gros problème de l'Avenger, c'est le même problème que pour le Cutlass Black, c'est que son point fort, c'est son point faible, la polyvalence. L'Avenger Titan est capable de tout faire, mais il brillera jamais dans un domaine spécifique. L'accès interne n'est pas bloqué par le Warlock aussi. Si, la porte qui mène à la soute depuis l'espace couchette est scellée. Et c'est un cauchemar. Et merci cauchemar, mais bon, c'est dans 4 jours technique. C'est pour ça en fait, FaZe, comme je disais, vraiment le Warlock, c'est vraiment un vaisseau qui va être très utile dans une flotte, qui aura pour objectif et comme seule mission d'immobiliser un vaisseau. Tu sors le Warlock de ce cadre-là, c'est un vaisseau qui sert à rien. Luffy qui dit, ah tiens, on peut faire entrer une mule dans le cutter. C'est normal en soi, c'est normal. Comme que ça a été pensé en partie pour. Bon. Ça va bientôt faire une heure qu'on essaie de se connecter au jeu. 7 minutes, ça fera une heure. Ça rentre aux choses pires. Bah, comme il le disait en présentation du cutter, c'est tu peux faire rentrer un véhicule dedans si t'es suffisamment consciencieux. Artemis, pas d'informations par rapport à ça. Si t'as des informations sur le sujet, c'est-à-dire c'est du leak, donc non, j'en parle pas. Peut-être qu'il dit alors ce corsaire bien ou pas. Bah écoute, c'est un... Il correspond à sa brochure. C'est-à-dire c'est un concurrent direct aux constellations. Point. C'est-à-dire, comme je disais, hein, c'est le... Le corsaire est aux constellations, ce que le Cutlass Black est aux freelancers, ou ce que l'Avenger est aux nomades. Autre question complètement différente, un vaisseau exploration en solo, ça existe? Ouais. Le plus petit qui existe actuellement, c'est le Mustang Beta. Ensuite, si tu veux un vaisseau qui soit un peu plus axé, un peu plus gros, tu as le 315P. Et encore plus gros... Enfin, quoi que encore plus gros, non. Même gabarit, tu as le Terrapin. En vaisseau exploration solo.
Par contre, faut pas s'imaginer avec un tel vaisseau avoir autant d'autonomie et de capacité que si tu pars avec un Karak ou un Corsair ou un Constellation Aquila. C'est pour dire en fait par rapport à ça, CIG a une notification particulière sur les vaisseaux d'exploration de petite taille, ils appellent ça des Pathfinder, des trouveurs de chemin. On n'aura pas la même autonomie. En fait, Artemis, vu que c'est dès lors que CIG n'a pas fait de communication officielle sur un sujet, c'est du leak. Gardez ça en tête. Katsuni, c'est deux personnes, non? Je crois que c'est deux personnes minimum. Et trois personnes max. Mais bon. Après, le problème, c'est que pour ce qui est de l'exploration, c'est très compliqué de dire tel vaisseau sera efficace en exploration, tel vaisseau sera pas efficace en exploration. Parce que le gameplay d'exploration, pour l'instant, on n'a pas l'information sur le fonctionnement, en fait. De quoi ça va dépendre? Si ça va être... Même si les informations qu'on a pour l'instant semblent tendre vers le côté ok, on va devoir faire du de l'analyse avec les différents systèmes tels que les senseurs, etc. Et analyser ça pour voir si c'est des points d'intérêt qui sont dignes d'aller sur place ou si c'est juste de la merde, du bruit, et dans ce cas on passe notre route. Je pensais que dans l'avenir, on pourra rajouter les réservoirs auxiliaires sur les vaisseaux. À la manière du freelancer dur, en effet. Mais pour l'instant, on n'a aucune information officielle sur le sujet. Des choses que j'abordais dans la vidéo sur comment améliorer l'Avenger. Le fait de pouvoir remplacer, par exemple, les lanceurs de missiles par des réservoirs extérieurs. Allez, 7 à Saint-Thomas. Bah écoute, ça va tranquillement. Avec ça qui dit, si je me souviens bien, il y a Pathfinder et des vaisseaux d'expédition pour les différencier. Potentiellement, ouais. Ouais, je dis enfin, le Corsair fait 53 mètres de long, c'est un vaisseau taillé pour l'expédition et l'exploration. Le Cutter fait 20 mètres de long, taillé pour être un starter utilitaire. Il y a la plus grande autonomie pour partir en exploration, le Cutter, 300 litres de fuel. Le Corsair, la cohérence, il agit franchement. Alors, il y a le brèche. Au risque de me répéter par rapport à ce que je disais tout à l'heure sur les statistiques des vaisseaux, encore et toujours. Hein. Mais je rappelle que les statistiques des vaisseaux sont amenées à évoluer et on sait que CIG veut réévaluer la totalité des consommations de carburant et surtout des capacités de carburant des vaisseaux pour l'arrivée de Pyro. Ça a lieu dans environ moins d'un an. T'as certains monoplaces, genre l'Eclipse, qui a une capacité en carburant phénoménale alors que c'est un taille 1. C'est pas normal. Non, Bonito, j'ai pas de VPN, non. Sankini, j'entends ce que tu dis, Lerco, mais pourquoi ne pas avoir mis en cohérence les capacités de carburant de deux vaisseaux qui sortent exactement en même temps? Parce qu'ils n'ont rien à foutre, et agit actuellement de l'équilibrage. Merci Rossiland pour le don. 20€, merci beaucoup. Joyeux anniversaire, merci beaucoup. C'est la même raison pour laquelle tu regardes quand ils ont réévalué la totalité des vaisseaux en termes de pool de points de vie, que tu te retrouves avec un Avenger qui fait 20 000 points de vie et un Terrapin qui fait 113 000 points de vie. Parce qu'ils en ont rien à foutre actuellement, CIG. L'équilibrage, ils s'en battent les couilles. Je rappelle, c'est une alpha, au risque de me répéter, hein, c'est une alpha, donc oui, il y a des valeurs qui sont absolument insensées actuellement. Parce qu'il manque plein d'éléments.
C'est de relancer le jeu encore une fois. Clairement relancer le launcher, on sait jamais. Et merci Skywisher pour le follow, merci beaucoup. Dans moi je trouve ça logique parce que c'est pas qu'une question de quantité, c'est une question de consommation aussi, c'est vrai. Mais avec A00 sur un cutter, techniquement tu pourras tracer aussi loin que d'autres vaisseaux, mais plus rapidement. C'est ça qui dit création de contenu pour ensuite l'équilibrer ou bien équilibrer puis se retrouver coincé parce que oh bah zut c'était plus équilibré avec ce rajout. Pour ça c'est là pour l'instant c'est CSJ qui met les trucs en place et puis en mode c'est bon on verra ça plus tard. Enfin bref. Bon allez, putain. Depuis tout à l'heure, vous le voyez pas, hein, parce que depuis tout à l'heure je suis sur l'écran où je parle, mais depuis tout à l'heure j'arrête pas de relancer le jeu en fait. Hein. J'essaie de me reconnecter, etc. Mais là les serveurs sont totalement pris d'assaut. À part le mule, il y a quoi comme vaisseau ou véhicule fait pour transporter les marchandises pas pour faire du commerce, mais qui deviennent utiles avec la 3.18. Techniquement, tu peux mettre une caisse à l'arrière du cyclone. Malheureusement, c'est plus d'actualité. Enfin, c'est pas que c'est plus d'actualité, c'est simplement que c'est plus à l'échelle aujourd'hui. Donc, à part le mule, t'as pas grand chose. Tu peux mettre évidemment des petites caisses manuelles dans le STV. Mais ça s'arrête là. Il est prévu que tu puisses mettre des caisses manuelles également. Enfin, pas des caisses manuelles, mais que tu aies un inventaire local sur la Dragonfly. Mais ça fait tellement longtemps que CIG n'a pas bossé dessus que bon, voilà. Après, bien entendu, t'as l'inventaire local du ROC et du ROC DS, mais bon, ça c'est autre chose. Donc il y a un éclipse, c'était quelques vagues de sortie de vaisseaux où ils défonçaient leurs réservoirs au point que ça nécessitait un boost des valeurs. Nomad et MSR, c'est bien ça. Je m'en rappelle plus du tout. De toute façon, par rapport au réservoir Quantum, hein, je rappelle que c'est vraiment pas quelque chose qu'il faut prendre en considération. Je rappelle à l'époque de la 2.6, 2.0 et entre la 2.0 et la 3.0. Les réservoirs de carburant que vous aviez en termes de carburant quantique vous permettaient de faire à peine 200 000 km. C'est-à-dire vous faisiez un aller-retour entre Yela et Céline, vous deviez refaire le plein. Enfin, c'est... Vous fiez pas aux statistiques des vaisseaux. Je me souviens des RS qui accéléraient comme des Falcon 9. Ouais, t'avais 40 G d'accélération, c'était abusé. C'est juste un petit peu lâché sur le sujet. T'étais sous boost, 40 G d'accélération, tu fais. Un peu énervé quand même, hein. Un petit peu énervé. C'était sur Zenwin. Avec Zenon, les serveurs de log sont saturés, hein, c'est normal. Et c'est pas lié à mon stream en particulier. Pour le paradigme au sujet des réservoirs de fuel, c'était à la sortie des Hercules. Ok. En tout cas, comme je le disais, ça va. Tout ça va être amené à évoluer avec le temps. Zenon qui dit vous avez à jouer. Ouais, là, ça se voit pas, je suis en plein jeu là. En plein dogfight. C'est pas que les serveurs sont down, Artemis, simplement que les serveurs sont pris d'assaut, résultat les serveurs de log se connecter sont HS. Y a une communication sur Spectrum par rapport à ça ou pas encore? Alors l'extrait, tu fais très très bien, l'extrait qui dit « Perso, je me fie davantage aux vagues descriptions pour me faire une idée. » C'est ce qu'il faut.
Et en fait, ça recoupe complètement ce que j'expliquais par rapport à l'IAE et le fait que si vous voulez acheter un vaisseau avec de l'argent réel, il y a que deux raisons qui peuvent faire que vous allez vous acheter un vaisseau avec de l'argent réel. Juste parce que vous voulez vraiment faire plaisir ou alors parce que vous voulez davantage soutenir CIG au niveau financier. Si vous vous dites, voilà, je vais me prendre ce vaisseau parce qu'il est trop bien, trop fort, etc., c'est un mauvais argument d'achat. Qu'on soit clair. Parce que toutes les statistiques vont être amenées à changer. Voilà, Zenwin, c'est vraiment les serveurs qui sont pris d'assaut. Résultat, les serveurs d'identification qui sont down. Ah mais là, en fait, c'est pour vous donner une idée de ce qui se passe actuellement, c'est comme si quelqu'un essayait de faire passer une pastèque dans l'encoche d'une aiguille à coudre. En termes de trafic. Pour CIG. Ouais, Zenwin, le 24h a recommencé, ouais. Bah, ça fait une heure. Ils ont combien de serveurs en tout? Je sais pas. Mais là, en l'occurrence, c'est pas les serveurs qui posent problème, c'est l'identification qui pose problème, Xenon. Encore une fois. Et c'est à son chum. Papy Carling qui dit ceci, dit pour une première expérience, pour ceux qui découvrent avec la Free Fly se bouffer une erreur à T plus une seconde, ou que ça prépare bien la suite. Oui, tu vas me dire, ça fait une bonne formation. Sinon, Star Wars, non. Non. Bah, sincèrement, la partie sur Warship, c'est vraiment, je pense, la partie que j'ai le moins hâte de faire, en fait. Enfin, c'est pas que j'ai le moins hâte de faire, parce que je vais mettre un point final, et je sais quand est-ce que je vais terminer, en fait, le stream sur Warship. Mais, voilà. Cette action, tout à fait, donc. Ah, depuis tout à l'heure, j'essaie d'y accéder, ça... J'aime pas. On va faire un petit... petite recharge viteuf. On va voir ça. Comment ça s'affole, actuellement. Moins de 24 heures. Le Reddit est en feu. Le Reddit est en feu. Erreur 16008 sur Benny Star Citizen. Mon dieu, les gars, on n'arrive pas à se connecter. Je sais pas utiliser Google. Oh mon dieu, c'est terrible. Excusez-moi. Comment ça, je me moque des gens? Oh. Totalement faux. Large Dead. Chez moi qui dit, tu penses que ton 24 heures sera suffisant avant de te voir en jeu? Oui, clairement. Bon, après, au pire, si jamais hein, on passe sur un autre jeu et puis on intervertira un petit peu le programme, pas grave. Est-ce qu'il dit, j'en profite pour te poser tout un tas de questions, mais j'ai cru comprendre que tu pouvais transformer ton pack en argent fictif pour acheter un vaisseau alternatif pour downgrade. Tu peux expliquer la méthode si ça existe vraiment? Oui, c'est ce qu'on appelle un melt. Alors. Je récupère ma souris, s'il te plaît, Star Citizen, fais pas chier ton monde, merci. Star Citizen, c'est pas le moment. Hein. M'emmerde pas, merci. Donc, tu vas sur ton compte. My Hangar. Tu sélectionnes donc ton pledge, en l'occurrence, moi par exemple, mon Avenger. En fait, tu fais exchange. Holda, c'est Edgy, va récupérer en fait... ton pledge au prix où tu l'as acheté. Résultat, quand tu vas regarder
account, ici, tu auras en store credits, une sorte d'avoir en fait, le prix de ton... que tu avais... D'après ça, la solution, ça va être passé par un VPN. Mais j'ai pas de VPN, putain, fais chier. Il me faudra un VPN gratos. Problème. Donc, tu auras donc des store credits. Alors, en fait, lorsque tu vas passer à la caisse pour acheter un autre vaisseau... Mais, et franchement, et Star Citizen, tu me casses les couilles même quand tu bug. Voilà, à faire sauter l'image à chaque fois. Lorsque tu vas passer à la caisse, tu vas pouvoir appliquer en fait une la réduction qui correspond à tes crédits en fait, tes store credits. Chier quoi. C'est casse-couille. Hein. Pas envie d'installer un VPN pour ça quoi. Franchement, si Adji, là, faut qu'il se bouge le cul. Si c'est juste un problème de connexion par rapport à l'Europe, c'est casse-couille. Hein. C'est vraiment casse-couille. Je pense qu'un code de super réduit, moins 90% sur un VPN, ça va se trouver un peu partout, quelque part en cherchant un peu. Ouais. Qui dit voilà arnaque, les armures sub-Shian sont des flight suits. Bon. Ça rembourse la valeur du pack initial ou ça prend en compte l'upgrade que tu as pu faire? Normalement, ça prend en compte ce que tu as versé pour acheter le pack. Résultat, si jamais derrière c'est t'as fait une upgrade, tu auras marqué dans tous les cas sur le site que t'as fait une upgrade. Vandil qui dit ce qui est bizarre, c'est que Roxy est in-game et Hugo Lizoire aussi. Et c'est certainement parce que soit ils ont un VPN, soit ils se sont connectés avant, simplement. Oh, vas-y, on va tester avec un VPN. Avec le VPN, j'ai testé pas d'IP relative et quelques pays, seulement deux fonctionnent, Germany et US. En fait, merdier partout, sauf en Allemagne et aux States. Donc ouais. Écoutez, ce qu'on va faire, c'est va faire une petite aparté, ça sert à rien là pour l'instant d'insister. On retournera sur le jeu. Dans environ une heure, ça va me permettre de faire, on va changer les paramètres du stream. On va faire un petit tour rapidos sur Warship, ce qui veut dire qu'on continuera sur Star Citizen jusqu'à minuit, je vous rassure. Pas d'inquiétude par rapport à ça, on bouleverse juste un tout petit peu